amélioration, améliorer, améliorer. Chaque jour, c'est ta pensée. Quand moi, je me réveille, c'est ma pensée. Je dois lire un livre. Quand je me réveille, c'est ma pensée. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir encore plus d'argent? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir l'argent? Les idées de business, je cherche sur Internet, partout, partout. C'est ça. Ouais les gars, c'est comment? Voilà. Concentre-toi sur le fait de devenir la meilleure version de toi-même. C'est ça la vraie Red Pill. Sinon ce que vous dites, les go font ci, les go font ça, ça c'est peut-être 10% même de la Red Pill même. La vraie Red Pill là, c'est concentre-toi sur devenir la meilleure version de toi-même. Laisse les go pendant un moment. Laisse les go pendant un moment. Si tu aimes vraiment femme là, tu vas mettre femme de côté. Voilà. Si tu aimes vraiment femme là, tu vas mettre femme de côté. Tu n'es pas fatigué de toujours traîner. Elle est force petite. Tu n'es pas fatigué de toujours avoir les forces petites à tes côtés. Ou bien c'est comment? Voilà. Si tu veux les bonnes petites là, il faut que toi-même tu deviennes bon. Voilà. Tu comprends un peu non? Tu peux pas vouloir en fait des go qui sont bien, qui sont toujours à la gym. Et puis toi tu as gros ventre. Ça sonne comment dans ta tête en fait. Clé. Voilà, tu comprends un peu non? Voilà, il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et puis c'est à tous les niveaux. Poussez-vous dit, allez au sport. Il y a des gars qui disent non, mon vieux, essaye d'être gros là, ça fait quelque chose. Mon ami, être gros, tu n'es pas à l'aise. Moi, j'ai été gros. Tu es gros, tu n'es pas à l'aise dans ta peau. Et puis même si tu es à l'aise là, elle va t'utiliser pour ton argent. Elle peut jamais fantasmer sur tes fesses. Jamais. Clé. Voilà. Si tu es gros, faut chercher à maigrir. Si tu es skinny, faut chercher à faire du sport, à prendre des muscles, à devenir bien en forme. Voilà. Les gros sont pas fans des morts qui sont gros. Si tu es gros, que tu iras à ma chaîne, faut commencer à faire du sport. Ou calme. Faut aller à la gym. 5 jours par semaine. 6 jours par semaine. Ça dépend à quel point tu veux en fait. On peut se plaindre des go, mais mon ami, tu peux pas chercher à attirer des go dans ta vie si tu n'as rien à offrir. Calme. Voilà. Les go, elles rejoignent les vainqueurs, elles rejoignent pas les losers. Donc si tu veux avoir les bonnes go, améliore-toi physiquement. Il faut que ton physique soit au point. Change ton style, améliore ton style. Améliore ta qualité de vie en fait. Concentre-toi, je vous dis non. Lisez des livres. Moi personnellement, c'est des livres. Je mets beaucoup l'accent sur ça. Lisez des livres les gars. Lisez des livres, ça va changer votre manière de penser. C'est ça, devenir la meilleure version de lui-même. C'est mentalement, c'est intellectuellement, c'est physiquement. C'est tout ça là en fait qui rentre en fait dans l'amélioration de soi. À un moment de la life là, faut mettre l'ego de côté. Si tu vois que tu n'as que des servantes là, faut te regarder toi-même. Toi, tu es un boy aussi. Quand tu as devenu un joueur de football là, tu as attiré les top modèles. C'est comme ça la vie, man. C'est comme ça la vie. Tu peux pas être là au plus bas de ta forme et puis chercher des gars qui sont en haut de toi en fait. Toi, tu as vu ça où? Les morons qui aiment vraiment femmes, ce sont les morons qui mettent les go à côté. Et puis ils ont compris que si je veux tel type de go, je dois arriver à un tel type de niveau. Voilà. Travaille sur toi. Lisez des livres. Si vous voulez, envoyez-moi des messages. Je vais vous conseiller des livres à lire. Voilà. Les livres, ça change la vie. Les livres, ça change ton mental. Ça change ta manière de parler. Même la Red Pill, il y a des livres à propos de la Red Pill en fait, pour comprendre certains sujets. Voilà, cherchez à lire ces livres-là, c'est tout ça qu'elle a. Améliorez-vous. Vous ne pouvez pas rester là. Quand tu sors, tu vois un moron dans sa voiture, un vrai go. La plupart du temps, les gars sont jaloux. Il n'est même pas plus joli que moi, mais il travaille plus que toi. À cause de ça, il a une plus grosse voiture que toi. Tu dois jamais être un hater. Jamais. Tu dois voir ça
comme une motivation. Moi, quand je vois des morts qui ont plus de, qui ont une grosse voiture, qui ont une vraie go, je peux jamais les haïr en fait. Je vois ça comme une motivation. Si je vois qu'il est dans une Range Rover, ah, c'est que le gars il travaille plus que moi. Voilà, au contraire, même je peux l'approcher pour lui demander comment tu as fait. Est-ce que tu peux pas me donner des conseils? Entourez-vous de personnes comme ça. Cherchez à travailler avec des personnes comme ça. Les gens qui vont en haut, ils attirent des gens qui veulent aller en haut. Si tu veux rester en bas, on fuck pas avec toi. Personnellement, moi, je suis pas dans les histoires de dis, c'est mon ami, con. Tu es mon ami, oui. Mais moi, je veux aller en haut, je veux rester en bas. Tu es toujours mon ami, mais on traîne plus ensemble de la même manière. Voilà. Parce que tous ceux qui sont toujours mes amis, ce sont des morgots qui veulent aussi s'améliorer pour aller en haut. Voilà. On dit non, en haut là-bas, tu es seul. En haut là-bas, tu n'es jamais seul. En haut là-bas, il y a les petites qui s'accrochent à toi. En haut là-bas, il y a les gos qui sont gamés pour tourner et toi, ils veulent toujours être là, ils veulent toujours faire ce que tu veux en fait. Comprenez le game, les gars. Comprenez le game. La vraie essence de la Red Pill même, là, c'est l'amélioration de la qualité de ta vie. Comprendre. Prends un business, travaille dessus. Prends ce que tu aimes, regarde s'il y a un besoin. Travaille dessus. Tous tes besoins, hein. Tu dois. Si tu as un besoin même là, si tu as un besoin que tu n'arrives pas à combler, faut comprendre que c'est une opportunité de business. Parce que si tu as un besoin que tu n'arrives pas à combler, faut te dire qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent pas combler, qui n'arrivent pas à combler ce besoin là. Tu peux faire de ça un business. Voilà. Travaille sur vous. Allez à la gym. Si tu es gros, faut partir à la gym, mon frère. Et puis la gym, ça te donne une autre mentalité. Ça te donne une mentalité de je peux accomplir tout ce que je veux si je travaille dur. Voilà. Arrêtez de chercher des résultats rapides. Arrêtez de chercher les résultats rapides. Ça fait un an. Tu as pris un an pour devenir gros con. Tu ne peux pas maigrir en un mois. Voilà. Tu as pris un an pour être gros con. Tu ne peux pas maigrir en un mois. Il faut comprendre que si tu as pris un an pour devenir gros con, tu as fait un an pour maigrir aussi. Tout dépend de là. De à quel point tu as envie de maigrir. Vous commencez 2 jours, 3 jours, vous arrêtez. 2 jours, 3 jours, vous arrêtez. C'est chaque jour. Quand je me réveille le matin, chaque jour, à quel point je peux améliorer ma vie. Comment je peux améliorer ma vie aujourd'hui de 1%. Je dois lire au moins 20 pages par jour de livres. Je dois faire au moins 1 heure à la gym. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Plus tu apprends de choses, plus tu vas... Ta vie va montrer ce que tu apprends en fait. À cause de ça, il ne faut jamais te soucier de ce que les gens pensent de toi ou bien de ce que les gens disent. Pourquoi on dit que tu es comme ça? Pourquoi on dit que tu es comme ça? Parce que les connaissances que tu acquiers là, c'est en fonction de ces connaissances-là que tu agis en fait. Donc si ces personnes-là ne comprennent pas ton comportement, il faut te dire qu'ils n'ont pas la même connaissance que toi. Voilà, la Red Pill, on ne cherche pas à faire comprendre ça à quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Travaillez sur vous. Ça doit être votre seul souci. Quand les gars voient que lui, il travaille sur lui. Lui travaille sur lui. Elle voit qu'il est ambitieux. Elle voit qu'il veut aller en haut. Tu n'es même pas encore arrivé en haut. Elle commence à s'agripper à toi. C'est ça. C'est ça, les gars. Self-amélioration. Améliorer. Chaque jour, c'est ta pensée. Quand moi, il me réveille, c'est ma pensée. Je dois lire un livre. Quand il me réveille, c'est ma pensée. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir encore plus d'argent? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir l'argent? Les idées de business, je cherche sur Internet, partout. C'est ça. Enlevez votre esprit sur les go. On ne cherche pas femme. On se cherche, elles viennent seules. On cherche à améliorer la qualité de sa vie. Elles ont raison, man. Tu peux pas dire que non, elle n'a qu'à laisser le moron qui a un Range Rover pour venir toi qui a un vélo. Toi, t'as vu ça, ou même si c'est toi. Voilà, les gars, concentrez-vous sur le fait d'améliorer vos vies, améliorer votre corps, améliorer votre mentalité, améliorer vos finances. C'est tout ça là qui est l'amélioration de soi, en fait. Il y a foi, les gars, vous connaissez, non? C'est tout ça, c'est un package. Il y a tout ça dedans. C'est sur son travail. C'est ça, en fait, qui est notre préoccupation. Pourquoi elle ne m'a pas répondu? Ce n'est pas une préoccupation. Une go ne peut jamais te faire construire maison. Voilà, c'est ton amélioration, tes connaissances qui vont te faire construire maison, qui vont te faire avancer dans la vie. C'est ça qui doit être ta préoccupation première. Sinon, en fait, de go, ça vient à côté. Y'a foi, les gars, vous connaissez, non? Buvez de l'eau, comprenez le game, utilisez l'hypergamie à votre avantage. C'est de ça qu'elle parle. Y'a foi, y'en a ensemble.